Salut tout le monde, alors aujourd'hui, encore une fois, je suis obligé de recommencer par-dessus, ça me casse les steaks. C'est extrêmement chiant, voilà. Donc malheureusement, encore une fois, ça va être en différé, je suis vraiment désolé. Voilà quoi. Je sais pas d'où ça vient, je sais pas si c'est parce que j'ai la RAM qui est trop encombrée par des données ou je sais pas quoi, et du coup, ça fait ramer Audacity, ou parce que je suis en même temps en train d'enregistrer 2 secondes. Hunnigan, what happened? The transmission got cut off. Salazar, how'd you... We've jacked the line. We didn't want you telling everyone any unnecessary information. Where's Ashley? Ah, so she fell into one of our wonderful traps. We'll make sure we find her. Don't you worry about her. Oh, yes. I let our miserable insects out for some exercise down in the sewer. Thanks. That should keep me company, 'cause boredom kills me. I look forward to our next encounter in another life. Voilà, donc comme je vous disais, donc je sais pas si c'est par exemple ma RAM qui est trop encombrée, ouais, ou sinon que j'enregistre au niveau des vidéos. Vu que j'enregistre sur le même disque dur, peut-être que ça vaut ça, mais bon, ça m'a jamais fait. Donc ça m'étonnerait que ça soit à cause de ça. Et donc du coup, j'en sais rien. Ça me saoule. Et ça me l'a fait que avec Resident Evil 4. Donc 2 fois d'affilée là. Et avec les autres jeux, non. Enfin, je sais pas. Après, c'est... Ouais. Je sais pas du tout, franchement. Mais jusqu'ici, ça me l'a fait. Donc voilà. Mais on s'en fout de toute façon. Donc là, on a pris les sous-sous. On a pris la grenade flash. Hein, très important. Là, on fait attention. Je fais bien. Bon, tu vois, comme ça. Bon, du coup là, on prend le sniper parce qu'au pistolet, ça va être trop compliqué. Donc, vous voyez, il y a de la bave là-bas. Je sais pas si ça se voit bien, mais normalement oui. Donc voilà, hop, on prend le sniper, on vise bien et là, on lui dézingue la tête. Pouf. J'ai dit pouf. Voilà. Donc après, bon, on reprend le pistolet. Hein. Non, quoi qu'en fait, c'est complètement con. Non, reprenez pas le pistolet, ça sert strictement à rien. Je sais même pas pourquoi je l'ai fait. Mais bon. Donc, du coup, on récupère le sous. Voilà, j'ai cru qu'à droite il y avait quelque chose. Mais en fait, y a rien. Je me suis trompé. Voilà, ah, ça arrive, c'est comme ça. Des fois, on se trompe. Hein. C'est... Hein, bon, voilà. Du coup, je vous le redis, hein, c'est extrêmement chiant de commenter par-dessus. Ah oui, petite surprise après. Je vais avoir deux trucs. What the fuck? Eh, franchement, j'ai fait what? Comment c'est possible? Putain. Ah, j'étais là. Oh putain, première fois que ça m'arrive et tout. Ça m'est jamais arrivé. Jamais. Donc là, je regardais si j'avais ce qu'il faut à combiner avec ce truc, mais en fait, non. Donc là, faites attention. Deux petites bêtes. Pouf. Pouf. Donc juste là j'avais pas le son de la télé. Et donc du coup bah je me rappelais qu'ici il y avait une troisième bête qui devait venir. Mais le truc c'est que vu que j'avais pas le son de la télé, bah je pouvais pas l'entendre. Du coup je me disais merde putain mais c'est quand qu'elle arrive, c'est quand je descends en bas, c'est quand je suis là, enfin tu vois je savais plus du tout. Et en fait elle est pas venue. Voilà. Voilà. Vous avez vu ça un peu? Deux œil bleu, enfin deux, je sais plus quoi, ouais c'est des yeux, bizarre quand même. Deux yeux bleus d'affilée. Ici. J'ai jamais eu ça. Jamais. Ah j'ai jamais eu ça. Franchement, ici là, deux yeux bleus ici, jamais j'ai eu ça. J'en ai eu un, j'en ai eu zéro, mais deux, ça m'est jamais arrivé. Et pourtant, je l'ai fini, mais pff, une vingtaine, trentaine de fois, j'ai fini le jeu. Et ça m'est jamais arrivé. Franchement, what quoi, c'est. J'ai fait comment. C'est possible Qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Trois d'affilée? Ouais, non, mais bon, j'étais. Oh. J'étais bien content, ça c'est sûr. Voilà, donc, comme je disais dans le gameplay à la base, il faut garder minimum 2 yeux comme ça de chaque espèce. Donc, enfin, chaque espèce, de chaque couleur. Donc, il y a du vert, il y a du rouge, et il y a du violet, comme je viens d'avoir là. Voilà, donc, il faut garder les trois. Donc, le plus important, c'est le violet. Donc tu vois, il faut absolument garder deux. À la limite, le vert et le rouge. Bon, vous en gardez. Enfin, si vous voulez pas y garder maintenant, bon, vous pouvez y vendre, hein. Mais vaut mieux que ça, on est sûr, tu vois.
Ça dérange pas de garder, voilà, ne serait-ce que déjà une rouge et une verte, c'est pas non plus énorme. Voilà, mais en tout cas, les bleus, c'est sûr, faut pas les vendre maintenant. Tant qu'on les a pas combinés sur les deux, les deux trucs, je sais pas quoi, eh ben, il faut les garder. Du coup, alors lui, il m'a bien saoulé, donc comme vous avez vu, je lui ai foutu un coup de sniper dans la tête. Il est pas mort, donc je lui ai dit déjà comment c'est possible. Et puis là, je lui ai tiré plein de balles, mais je me suis dit, mais il est immortel, c'est pas possible, il y a un bug. Et c'était un truc de fou. Et j'ai utilisé je sais pas combien de vies juste pour ces conneries là. Ah ouais, non, mais hallucinant. Je me suis dit, mais comment c'est possible, t'sais. Hop là, je me fais niquer, il m'a pas le temps de tirer. Voilà, j'essaye de tirer, je le touche même pas. Oh là, et ça m'a saoulé. Putain, je vais prendre mon pistolet, je défonce. Là, j'étais en train de réfléchir si je prendrais pas la mitraillette. Seulement, j'en avais besoin pour après. Et ouais, mais bon. Enfin, après, longtemps après. Parce que moi, je prévois, mais de très très loin, tu vois. Mais bon, ça arrive tellement vite aussi. Et on gagne pas beaucoup de balles, donc. Ouais, donc là, je me dis, vaut mieux prendre le sniper. Et seulement, boum, allez, vas-y, ça dégage. Ah, putain. Ils m'ont saoulé, mais un truc de fou. Allez, pas le temps de tirer. Et ouais, non, mais bon. Il y a un moment, faut arrêter les conneries, quoi. C'est chiant, tu vois. Putain. Et du coup, avec cette connerie, là, de commentary, là, que je suis obligé de recommander, ça me fait perdre une heure, quoi. Putain. Ah bah, je voulais aller sur BO1 pour faire du zombie et faire la vidéo, tu vois. Eh non, je suis obligé de recommander partout. Putain, en plus, j'ai pas le moral à recommander. Bon, une fois que j'y suis dedans, c'est tranquille, je commente, on s'éclate, quoi. Je regarde ma vidéo tranquille, je vois un peu ce que ça donne. Puis c'est nickel, mais bon, mentalement c'est pas cool, quoi, tu vois. Quand tu dis putain il faut que je le fasse, ah c'est chaud, quoi. Bah, après une fois que tu fais, bon voilà, tu fais, voilà, c'est, t'es dedans, voilà, ta machine qui, voilà, quoi. C'est comme si tu devais faire une montée, puis là après il y a une grosse descente, t'as plus rien à faire, tu vois. Tu fais une grosse montée, puis après hop, tu vois. Voilà, la grosse montée, c'est de se préparer à faire le commentaire, puis après une fois que t'as eu fait le commentaire, c'est une grosse descente, ça va nickel, quoi. Voilà, donc là. On en profite, hein, on met le truc. Donc là, je suis en train de raconter, oui, mais il faut bien garder les deux machins. Donc je redis pour bien que vous compreniez. Ouais, donc là, on garde les, enfin, on combine le bleu et comme ça, après, on garde l'autre parce qu'il y aura justement dans la suite, il y aura une autre truc comme ça. Je sais pas comment ça s'appelle là, une lampe papillon. Voilà. Putain, j'ai encore oublié. Voilà, donc une lampe papillon. Et donc on va en retrouver une autre dans le jeu plus tard. Ah ouais, c'est... Ah ouais, hein, c'est où? Ah, c'est pas sur l'île. Ah ouais, non, mais c'est bientôt en fait. Attends, tu passes là. Ah, c'est quand les chevaliers là, où il y a les saints Graal et tout, là, je sais pas quoi, les coupelles là. Et donc là, j'avais pas le micro, je l'ai pas entendu moi arriver, tu vois. Et je me suis retourné, je l'ai vu, j'ai fait, mais comment elle a fait pour ouvrir la porte? Putain, elle m'a saoulé. Ah oui, on ouvre, on tombe en bas. On tue la bête, on tue les trolls. Ouais, c'est quand même dans un moment. Ah ouais, après on tue les deux machins, on tue les bêtes comme ça volantes. Après on va là. Ah, et après ça, il y a quoi? Ça doit être vers là. Ouais, c'est quand même dans un petit moment. Mais bon, voilà, je croyais que c'était sur l'île, moi, mais en fait non, c'est l'île, c'est largement après. Voilà, mais malgré tout, c'est dans un petit moment. Donc ça va, on a le temps, mais bon. Malgré tout, bientôt, il y aura, voilà, le deuxième truc. Bon, on s'en fout, voilà, dans quelques chapitres. Je crois que c'est dans le chapitre 4 ou 5, 4, je crois. Ouais, ça doit être dans le chapitre 4, 4-2 ou 4-3, tu vois. Bon, je dis ça un peu au hasard par rapport à... Autant que ça dure les chapitres, chaque chapitre, donc je me dis tiens, peut-être que... Enfin bon, malgré tout, quoique je crois qu'il n'y a même pas de 4-3. Ah ouais, le 4-3, mais je crois qu'il n'y en a pas. Ah là là, j'en ai marre, c'est tout flou là-bas dedans. Tout flou dans mon cerveau. Bon. Bah j'espère que ça vous plaît quand même, malgré que ce soit un commentary... non direct, donc pas en direct. Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est un. Ah, c'est décevant tout ça, hein, mais bon. C'est pas grave. Hein. On s'éclate quand même, non? Enfin bon, voilà. Eh merde, putain, j'ai quoi de tombé celui-là, tu vois. Et là, du coup, bah. Je tire dessus tranquille. Donc là, je prends le sniper vite.
Ah ouais, mais non, c'est vrai que je voulais garder cette mitraillette. Ok, ouais, donc j'ai pris la mitraillette pour tirer quelques balles. Et ça m'a énervé parce qu'elle voulait jamais mourir, ça m'a saoulé. Oh putain. Du coup, j'ai utilisé je sais pas combien de balles. Voilà. Donc encore une fois, je voulais garder mes balles pour... comment dire, pour gagner... Enfin, pour après améliorer. Améliorer... Comment ça s'appelle ? La mitraillette, voilà, les munitions. Voilà, donc j'améliore les munitions de chaque arme. Comme ça, je gagne des balles, comme d'habitude, hein, vous connaissez les bails. Du coup... donc là, je récupère des balles, je crois. Ouais. Ah ouais, donc ça, c'est une feuille, laisse tomber. Ok. Ouais, donc je récupère la feuille, je sais pas quoi. Et après, je récupère la plante jaune. Et après, en fait, je vais tenter d'essayer de faire un bug, mais je vais pas le réussir, donc... ça fera un... une petite minute de gameplay où je fais pas... Enfin, je fais de la merde, quoi. Voilà, c'était juste pour prévenir, pour que mentalement, vous vous attendiez à un gameplay de merde pendant une minute. Attention. Ouais, peut-être pas une minute, mais au moins une bonne trentaine de secondes. Ok, donc vas-y, on prend de la vie. Génial, comme ça augmente notre vie, tu vois. Du coup, on va à gauche. Et là, j'ai essayé de sauter... pour enfin tu vois de wallbricher le mur en fait et bah, je savais plus exactement comment on faisait et puis bon j'ai pas bien réussi mais bon ça aurait été marrant de vous montrer un truc comme ça quoi mais normalement voilà tu t'essayes de faire apparaître le sauter mais un peu plus à gauche tu vois en étant un peu vers la gauche enfin je sais plus exactement comment on fait tu vois mais c'était un truc dans le genre quoi voilà tu vois, j'ai essayé d'aller le plus à gauche possible mais bon j'ai pas réussi. Voilà, ça m'a mis à droite au lieu d'à gauche. Bon, c'est pas très grave après, hein, mais bon. Ah, j'ai réussi une troisième fois. Ah, je suis coriace quand même. Ouais, bah j'ai réussi une troisième fois. J'ai été presque, j'ai essayé. Mais bon, le problème, c'est que je me souvenais plus si... ouais, si on pouvait sortir du mur, je me souvenais plus, donc... ça me faisait un peu peur, mais bon. Je me suis dit, ah, c'est pas grave. Allez, donc du coup, je récupère vite le bijou. Et puis je me casse vite en haut aussi. Parce que j'ai pas trop envie de me faire niquer. Allez, bim. Voilà, donc là on récupère ce qu'il y a dedans. Donc je crois que je sais même ce qu'il y a. Ah, une grenade, voilà. Okay. C'est même bizarre. Bon, on ouvre la porte. Donc du coup, ici. Bah, c'est nickel. Voilà, on avance. Allez, on avance. Putain. Voilà, donc en fait, là-bas... la chaude, voilà. Et donc ici en fait au départ j'avançais tout doucement, je me dis putain il faut se mettre entre les deux, c'est obligé. Et à chaque fois je me faisais tuer et donc du coup à un moment je me suis dit mais putain mais si je cours peut-être que tu vois. Et du coup bah à un moment j'ai fait ça. Voilà. Et ça passe nickel. Et ouais ouais mais bon. Voilà, mais je sais plus quand c'était. C'était il y a longtemps quoi, gros. Au début quoi, quand on a découvert ça. Enfin, je sais même plus, tu vois, c'est... j'ai tellement fait de fois que... oh là là. Mais enfin bon, c'est sûr, c'était au début du jeu. Parce qu'une fois que tu connais, enfin tu connais quoi. Je suis désolé, mais bon. Donc du coup, ici, très important, grenade. Moi j'ai pensé à un lance-roquette, je sais pas pourquoi. Je me dis, putain, pourquoi j'ai pas pris le lance-roquette ? Ouais, non, mais en fait, je suis con, il faut prendre une grenade. Mais enfin bon, voilà, donc ici, il faut prendre une grenade. Donc en fait, je savais plus quand c'est qu'il, en fait, qu'il commençait à bouger, enfin qu'il commençait à nous voir en fait. Donc du coup, j'ai essayé quand même de rester le plus loin possible, mais je me suis dit, putain, je vais pas réussir à viser d'ici. Du coup, j'avance quand même petit à petit comme ça, en essayant de pas trop avancer pour pas qu'il me voie. Voilà, donc je me suis mis là, tranquille. Et là, je l'ai lancé. Et là, boum. Et là, je me dis, merde, je les ai pas tous eus, tu vois. Et du coup, je prends vite la mitraillette. Putain, j'ai les yeux qui sont morts. Je prends vite la mitraillette et donc je le tue. Et je me dis putain merde, ça se trouve il y en a d'autres qui sont partis. Bon je dis bon allez c'est parti, on va essayer de les choper. Hop, je descends. Et là, grande surprise, personne. Parce que s'il reste des personnes, généralement ils vont là, tout droit là-bas. Ils vont à la porte. Et puis elle se ferme. Et là, personne. Et j'étais. Yes. J'étais content. J'étais super content. Du coup. On récupère les 12 spinels, je crois. Non, les 11 spinels. Normalement, il y en a 11, je crois. Ouais, donc, hop. 11 ou moins, tu vois. Donc, voilà. Parce qu'au final, j'en avais 11 quand je les ai vendus. Donc, soit j'en avais déjà un avant, soit, bah, c'est qu'il y en a 11.
Voilà, donc du coup on monte en haut. Donc j'avais oublié qu'il y avait le marchand. Donc du coup, bah, à ma surprise, j'étais bien content. Tu as un petit marchand, hop, nickel. Désolé. Donc du coup, on optimise. Direct, munitions. On prend 20 munitions gratos. Ça, c'est fait. On prend 14 munitions gratos. Enfin, gratos, ça coûte quand même 12 000 points, mais voilà. On prend 82 munitions pour la mitraillette, parce qu'on a déjà 18 dans le chargeur. Et donc, du coup, au niveau du sniper, quand même 14 munitions, c'est énorme. Hein, franchement, c'est énorme. Donc, franchement, je vous dis, cette technique, elle est magnifique. Ça vous fait gagner beaucoup, beaucoup de balles. Et donc, du coup, bah, vous devriez en profiter. Voilà, donc là je suis allé là en fait, ça sert à rien parce qu'il n'y a rien à acheter. Du coup, on met B et on va vendre ce qu'on a à vendre. Voilà. Donc on vend fusil à pompe. On vend spinel, ça paraît normal. Oh là, ça va trop vite. Voilà, donc spinel. Chut, on vend. Vend, j'ai dit. Ouais, voilà, on s'en va les steaks. Ok, donc bleu lourd, ça vend. Ça, bah j'y vends parce que. On en retrouvera plus tard, mais bon, voilà. Donc je vous dis, c'est juste le bleu vraiment qui est le plus important. Mais si vous voulez être sûr, vous gardez les autres, mais. En gros, je vous dis, le vert, c'est sûr, vous en aurez plus tard. Quand on va retrouver une autre lampe, vous en aurez. Donc à la limite, le vert, vous pouvez le vendre. Le rouge, normalement, oui, hein, si vous en avez pas, c'est vraiment que vous avez pas de chance. Et puis le bleu, par contre, c'est fort possible que vous en ayez pas, quoi. Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'en avoir qu'un seul en tout. Donc voilà, faut faire gaffe. Après, zéro, je sais pas si ça m'est déjà arrivé. Enfin bon, voilà. Donc du coup, moi comme un con, je m'étais perdu. Je savais plus où il fallait aller. Mais je dis, ah oui, c'est vrai. Il faut aller à l'échelle. Voilà, donc en fait, on va activer le levier. Mais avant d'activer le levier, on va quand même récupérer. Je crois qu'on le récupère avant. Ah, je sais même plus. Je sais même plus. À gauche, hop. Donc du coup, ouais, on va activer le levier. En fait, ça va ouvrir les portes. Et du coup, ah ouais. On ouvre les portes justement pour avoir le masque. Ok. Donc on va activer le levier et puis après on ouvre les portes. On saute. Donc là, à gauche. Mais non, gros. Mais alors, ça sert à quoi d'activer le levier? Ouais, en fait, ça sert à rien d'activer le levier. Oh, c'est juste pour aller plus vite, mais bon. Ouais, ça sert pas énorme. Ouais, bizarre. Bon, en tout cas, pour venir ici, on est obligé de passer par là où je suis passé, hein, vu que les portes sont fermées. Donc là, on va les ouvrir. Hop, ça c'est fait. Bon, ça sert pas à grand chose, hein, j'ai envie de vous dire. Ouais, donc du coup, je suis descendu. Hop. Et puis du coup, on va là-haut, parce qu'on peut y aller directement comme ça, donc c'est bizarre. Ouais. Bon, du coup, tu fais. Ok, donc du coup, on va à la porte rouge. C'est parti. Suspense. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte rouge? Eh ben, y a rien du tout. Donc là, moi, je me croyais ailleurs. Ça m'arrive souvent. Donc, je me croyais un peu plus loin dans le jeu. Et donc, du coup, je croyais qu'il y avait un ennemi là-haut. Seulement, c'est pas du tout ça. Il y a personne. Du coup, j'ai foncé comme un fou. Tu vois, je me suis mis un peu. En retraite, hop là. Puis après, j'ai foncé comme un fou. Et bon, en fait, il n'y avait personne. Voilà, petit troll comme ça. Ça arrive. Ça arrive des fois. Donc, du coup. Voilà, donc si vous avez envie de lire, bah. Mettez pause, hein. Malgré ça risque d'être dur. Donc, du coup. Hop. On récupère tout ce qu'il y a récupéré. Donc là, il n'y a plus rien. On va. Bah, derrière la porte. Ouais. Donc là, on va essayer de tirer sur le monsieur, hein. Seulement, je vais le rater comme une merde. Voilà. Non, mais ça arrive des fois, ça. Mais un coup de lance-roquette, je vous assure, là, il est mort. Ah, je peux vous le dire. Coup de lance-roquette, tu le vois pas passer, le mec. Hein. Le mec, il a même pas le temps de réagir. Toi, tu vises pas sur lui, toi, tu vises à côté. Genre sur le mur. Voilà, et là, j'ai pas eu le temps de tirer comme un con. Je suis allé trop vite. Enfin, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de tirer dessus. Voilà. Donc, du coup. Ouais, donc coup de lance-roquette sur le mur, boum, tu le désingues, il est mort.
Hop. On casse un peu tout pour récupérer ce qu'il y a, tout ça. Donc là, il y avait une tête. Donc bon, les têtes comme ça me font un peu flipper, hein, je peux te l'avouer. Pas parce qu'elles sont dégueulasses, mais juste parce que bah, ça peut te tuer en one shot, quoi. Ça fait chier. Donc plus flipper dans le sens, j'ai pas envie de crever, tu vois. Sinon, ça fait pas peur, quoi. Stoppé, c'est une tête à la con. Hein. C'est plus dégueulasse qu'autre chose. Hein. Bon. Donc du coup, là j'ai essayé de leur faire péter la gueule, seulement bah je voyais pas le tonneau, donc du coup je dis ah bon, on va repasser de l'autre côté, c'est pas grave. Et à ma grande surprise, il est vraiment très puissant, parce que vous voyez à droite là, donc vous voyez une tache de sang qui part, donc c'est à dire qu'il y a un ennemi qui est mort, donc c'est l'ennemi qui avait le gros boulet dans la main là. Et ben il était bien derrière, derrière lui là, et il a quand même été touché. Et franchement, je me dis putain, c'est un rayon d'action quand même assez conséquent. Donc du coup, une fois qu'on l'a tué, là j'étais surpris parce que j'ai tué en 3 balles dans la tête. J'étais vraiment surpris. Donc vraiment, la vie des ennemis varie des fois selon certains trucs, je sais pas trop quoi. Bon, ça doit être aléatoire. Ouais, je sais pas. Non, c'est peut-être les dégâts qui sont aléatoires. Ouais, je sais pas trop. Bon. Donc une fois qu'on lui a pété la gueule, ce qui sert strictement à rien, je peux te l'avouer, mais j'avais envie de le faire parce qu'il m'avait saoulé. Bah c'est justement là en fait que je croyais que j'étais tout à l'heure. Et donc du coup bah là je vais foncer droit devant l'ennemi. Donc je vais pas faire comme d'habitude. Je vais directement le cutter, seulement il faut lui tirer une balle dans la jambe. Et ouais. Mais bizarrement je crois que j'ai oublié une... Ah non, la plante rouge c'était au début. Ok, donc je dis de la merde encore une fois. Ok. J'ai mal aux yeux, ça me saoule. Ah, je suis mort. Si je recule comme ça, là. Ok. Donc on ouvre la porte. Là. On... Mais non, viens pas là. Arrête, viens pas. Bon, fais ce que tu veux. Fais péter le tonneau. Boum. Voilà. Maintenant que t'as fait ta merde. Récupère les munitions de sniper, s'il te plaît. Mais non, ils sont pas à droite, ils sont à gauche, tête de con. Voilà, donc ils sont juste là. Au début, je croyais qu'ils étaient sur un rampard, enfin sur la ramparde. Enfin, je sais plus comment on dit, voilà. Sur le truc en bois. En fait, pas du tout. Hein. Voilà, je me suis un peu trompé. Ça arrive. Donc ça fait un petit moment, comme j'ai pas fait le jeu, donc forcément, je me souviens pas d'exactement tout. C'est vrai qu'il y a un moment, je me souvenais bien de tout, quoi. Mais alors, vraiment bien, tu vois. Alors là, j'ai pas compris. Donc je tire dans la tête, j'avance, il réussit à me toucher cet enculé. Du coup, j'ai eu le démon, tu vois, ça m'a énervé, tiens. Ça m'a énervé. Je suis désolé, mais bon, il avait pas à me toucher, quoi. Voilà, j'ai failli me faire toucher. Allez, meurs, tu peux le faire. Voilà, on est tous avec toi. Donc là, je sais plus ce que j'avais fait là. J'ai fait une petite connerie là. Donc heureusement que je me suis assez rattrapé quand même. Ça, je me suis vraiment rattrapé. Donc, hey hop, sniper. Donc là, en fait, je testais un peu mon viseur. Donc, savoir un peu de combien de centimètres il bougeait, on va dire. Donc, voilà. Donc là, j'ai failli le viser. Puis ça, je dis merde. Ouais, et là, comme un con, qu'est-ce que je fais? Au lieu de tirer, je recharge. Mais putain. Donc là, j'ai eu. Ouais, donc là j'ai raté, dommage. Donc j'ai mis 2 balles de sniper, ce qui est pas beaucoup, je trouve. Et pourtant, bizarrement, je vais réussir à le tuer. Ouais. Ouais, donc j'ai réussi quand même à bien viser avant et à tirer, à pré-shooter quoi, voilà. J'ai réussi à bien pré-shooter, j'ai réussi à avoir le timing et j'étais bien content quoi. Donc du coup, je prends le pistolet. Donc j'ai hésité à prendre la mitraillette, mais je me suis dit non, on va pas prendre la mitraillette. Du coup, j'ai pris le pistolet. Et j'ai essayé de le shooter. Donc là, franchement, dites-moi que je suis pas aveugle. Je l'ai bien visé. Ouais, ou presque. Mais quand même, j'étais presque dessus, quoi. Moi, j'en suis sûr qu'à la base, j'aurais dû le toucher. Je suis désolé, mais bon, j'avais bien visé, quoi. Mais bon, c'est pas grave, parce que le jeu... Donc là, ça m'a énervé, le gars. J'ai shooté la gueule. Hop là, il m'a saoulé, quoi. Je me suis vengé. Donc du coup, donc là fais gaffe. Et là, l'autre je vois qu'il tire sur moi et tout.
Du coup, je me suis vite reculé. Juste là, le jeu va me rendre l'appareil, on va dire. Donc, va me donner ma chance. Et du coup, donc là, je le rate les deux premiers coups. Et après, le troisième coup, bim! Nickel. Enfin, le deux premiers ou trois premiers, je sais plus. Enfin bon, ouais, et le, il y a un coup. Enfin, je l'ai foutu un seul coup, quoi. Il est mort. Et donc, soit je me rappelle plus bien du jeu et c'est toujours comme ça. Soit c'est bizarre quand même, parce que ça fait trois coups en tout. Ouais, je sais pas. Je sais pas trop. Franchement, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Oh, je sais pas, la tête à réfléchir à un truc comme ça. Enfin bon. Du coup, on va faire l'énigme. On va dire, mais quelle énigme, hein? Eh ben, l'énigme, puis derrière la porte, là-bas. Donc, en fait, on a pris la clé pour... What? Ok, oui, bah... Je m'en bats les couilles, bah, avance! Ouais, donc, on a pris la clé pour ouvrir la porte. Et, du coup, on va faire l'énigme. Et ouais. L'énigme. Bon, je vais mettre un petit moment à la faire, hein, parce qu'en fait, j'ai au début, j'ai essayé de la faire en deux ou trois coups, tu vois. Seulement, bah... Au final, je savais même plus si j'avais déjà fait ou pas, si c'était possible. Donc du coup, ça m'a saoulé, j'ai fait tout plein de trucs jusqu'à que j'y arrive. Donc voilà. Donc au début, je prends du 2. Je prends du 3. Du 4. Ah non, voilà, j'ai pas fait exprès là. Sans faire exprès, j'ai mis OK. J'ai dit, merde. Donc du coup, je prends du 2. Je prends du 4, voilà. Et là, je me dis, ah merde, non, c'est pas bon. Bon, du coup, ouais, j'ai essayé le 3. Il dit bon, ça va pas, je prends le 4. Je prends le 4, je prends le OK. Donc là, je réessaye, je prends du 1, je prends du 3 ou du 4. OK, du 4. Ça va pas. Du coup, je mets OK pour remettre à 0. Voilà, donc je réessaye plusieurs fois comme ça. Donc je prends du 1, je prends du 3. 8. Hop. Je mets OK. Enfin, normalement, OK, c'est bon. Donc là, normalement, je prends du 2, du 3. OK, du 3, pas de soucis. Et du 4. Ok. Donc là j'essaye. Pas du tout. Donc j'étais pas sûr de ce que c'était. Mais bon, je... au fond de moi je savais que c'était pas ça. Mais bon voilà. Donc du coup. Au final. Ouais, j'ai essayé. J'ai pas vraiment réussi. Donc du coup je me dis. Bon c'est pas grave. J'appuie sur un peu toutes les touches. Et puis. Enfin sur tous les numéros. Et puis on verra bien au final. Donc voilà. Donc j'ai essayé pas mal de fois. Ce qui fait durer le gameplay un peu. Voilà. Donc c'est le genre de choses qu'il faudrait que j'évite pour éviter de faire des gameplays de 50 minutes. Mais bon, voilà, hein, qu'est-ce que je te dise, moi, c'est pas forcément de ma faute. Voilà, donc là, normalement, non. Bon, allez, encore deux coups, je te laisse. Si tu réussis pas, je te tue. Connard. Bon, voilà, on va dire que c'était... Oh ouais, non, mais j'ai mis encore plein de coups, en fait. Ok, c'est bon. Allez, tu me mets OK et puis c'est fini. Voilà, donc là c'est l'énigme, hein. Je la connaissais déjà depuis un petit moment. Du coup, hop, on cascade, on récupère, on tire sur le monsieur là-haut, enfin sur l'élan. Et sur la tête d'élan, sur l'œil d'élan. Et puis comme ça on récupère le petit bijou, donc un spinel normalement. Ah non, voilà, un truc bleu là. Un bleu velours, je sais pas quoi. Bon, je vous laisse la cinématique. Pleasant surprise. But I'm afraid it's Ashley we need. Not you, Mr. Kennedy. If you don't need me, then get off my back, old man. Did you say old man, Mr. Kennedy? It might come as a surprise, but I'm only 20 years old. So you're just like all the others? A puppet of the parasites? Surely you don't think I'm the same as those diminutive ganados. The parasites, las plagas, are slaves to my will. I have absolute control. Well, I really don't give a damn. Rain or shine, you're going down. Get rid of our American friend. On est dans la merde, hein, ça on peut se dire. Voilà, donc là j'ai pas compris. Je me suis fait troller par le jeu, mais un truc de fou. Et vous allez voir. Donc là, bon, ouais, normal, je vous la porte, tout ça, hein, comme d'hab. Ok, bon, il essaye de me toucher.
Il me touche pas, nickel. Là, boum, j'ouvre la porte, voilà, comme d'hab. Donc là, je recule pour les faire entrer. Là, je tire. Déjà, l'autre, il m'envoie un truc. What the fuck? Hein, voilà. Comment ça se fait qu'il me l'a envoyé? Enfin, j'ai pas compris. Du coup, je m'approche du mec, tu vois, pour le suplexer, tu vois. Le mec se relève en 2 secondes chrono, j'ai même pas eu le temps de le voir. Boum! Je savais que j'étais niqué, tu vois. Bam, vas-y, il me tape. Je me suis fait troller, mais comme c'est pas permis. Laisse tomber, ça m'a saoulé. Je les ai bombardés, tu vois. J'aurais foutu max de coups dans la gueule, regarde ça. Pam, pam. Bon, pas tant que ça, mais bon, voilà. On juge pas, ok? Donc du coup, voilà, je leur ai tiré des grenades à la gueule. Oh, ah, ils m'ont saoulé, quoi. Hop, après je leur tire dessus, nickel. J'ai dit, je leur tire dessus, nickel. Voilà. Allez, pam, pam. Non, même pas. Non, toi, tranquille. Ouais, donc là, j'ai vu à droite, j'ai fait what? Vite, faut que je descende et tout. Donc du coup, hop, tu dégages. Enfin, je crois que c'est maintenant que j'ai vu. Ouais, si, c'est maintenant que j'avais vu. Donc là, j'essaie de tirer dessus pour pas qu'il nique parce que j'ai plus de vie, plus rien. Voilà, donc du coup, je recule un peu quand même. Hop, et là, boum. Une tête. Et merde. Putain. Mais bon, ça va, elle est partie assez vite, donc du coup, j'étais bien content. Bon. On prend l'herbe jaune. Si on prend l'herbe jaune, je fais ce que je veux. Voilà, donc du coup. Et eh ben on peut pas l'utiliser. C'est un peu con ça. Là, tranquille, j'ouvre. Oh oh. Voilà, donc je me suis dit, putain, ils vont pré-shoot cet objet. Et donc ouais, j'avais bien prévu mon coup. Enfin, ils m'ont pas pré-shoot, mais ils ont visé quoi. Ils m'ont regardé. J'aime pas qu'on me regarde. Voilà, donc là, franchement, c'était tendu parce qu'il suffit d'un coup et j'étais mort. Du coup, j'étais là, ah, attends, faut que je fasse gaffe. Et ces bandes d'enculés, là, ils venaient me voir, ces PD. D'habitude, il faut toujours qu'ils restent derrière, là. Mais il y a des fois, quand même, ils viennent et tout. Ils viennent te niquer. Tu vois, là, quand j'ai vu qu'ils étaient là, j'ai fait non, non. Oh, j'ai vite avancé. Du coup, je viens vite vers eux pour les faire partir parce que c'est bon, quoi. J'ai pas envie de mourir, tu vois. Quand j'ai vu une flèche, j'ai fait non, il y a quelqu'un derrière moi, tu vois. Mais en fait, pas du tout, il était je sais pas où, à côté là-bas, enfin bon. Donc lui, hop, j'ai vite tué. Voilà, donc j'avais pas utilisé le truc de flamme là-haut pour rien, tu vois. La bonbonne. Putain, là j'ai vu qu'il y avait une plante. Bon, j'ai pas trop arrêté sur le moment, puis après je me suis dit putain, mais. Je vais aller la chercher. Voilà, donc là je vais aller la chercher. Puis après. Bah voilà, je l'ai pris, j'ai utilisé hein, bien entendu pour quand même être un minimum safe. Donc du coup, voilà, effectivement. Donc lui, j'ai pas compris, il est venu sur moi. Je lui ai dit, allez, mais casse-toi, qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, donc du coup, en fait, je le poursuivais pour le faire partir et en fait tirer sur une bonbonne alors qu'ils sont dessous. Comme ça, au moins, ça peut m'aider. Donc, comme là, j'ai fait, hop, voilà, comme ça, au moins, ça m'aide bien. Et au moins ça le tue assez facilement avec pas beaucoup de balles, voilà. Et donc du coup, là j'ai activé la porte normalement. Voilà, nickel. Non, c'est derrière, voilà. Voilà. Donc du coup. Ok. Pourquoi pas. Sniper. Et on lui nique la gueule. Putain ouais. J'ai fait non. Et puis là qui me tire dessus et tout. J'étais non non non. Putain, j'ai eu peur, tu vois, j'ai eu peur. Mais bon, c'est pas grave. Donc là une jolie tête qui vient, je me dis ah ouais, bon, c'est pas grave, on va vite courir là-bas. Moi je me dis oh c'est pas très grave. Ah ouais effectivement. C'est vrai que je l'avais tiré dessus avec ça. Je croyais que j'avais fait après, mais non, j'ai fait maintenant. Donc là, boum, ah ouais, je peux jouer à ça, bim. Donc là, j'ai niqué direct, j'étais bien content. Voilà, donc là, hop, on appuie sur le bouton. Et puis après, on ouvre la porte. Seulement, on fait très attention en ouvrant la porte. Voilà, donc moi, je connaissais, donc ça m'a permis quand même de réagir assez rapidement. Et voilà, et donc du coup, après, il n'y a pas de soucis. Ah ouais, justement, voilà. Donc c'est bien ce qui me semblait qu'il était pas mort. Je me disais, pourtant je me rappelle qu'il y avait un autre et tout. Et en fait, c'est parce qu'il était pas mort. Ok, donc là, boum. Je shoot,
Nickel, voilà. Donc là, je vous montre que même dans les pieds, je one shot. Donc il n'y a pas de souci au niveau de ça. C'est vraiment du one shot avec eux. Quoi que ce soit l'arme. Bon, j'ai pas testé avec la pire arme du jeu, mais voilà, hein, on a pas besoin de tester pour dire que ça one shot quoi. du coup, on récupère tout ça. Donc là, j'étais content. Regardez ce qu'il m'a donné. Un spray quoi. J'étais non. Ah, t'es sérieux? Voilà, donc j'étais bien content. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on avance dans le niveau. Voilà, donc cette partie m'a pris beaucoup de temps. Franchement, m'a pris vraiment beaucoup de temps. Bon. Ah ouais, attends. Ah ouais, voilà. Cette partie aussi, franchement. Ah ouais, non. Oh, 20 minutes, elle m'a pris. 20 minutes. Vous imaginez un peu? D'ici jusqu'à la fin du chapitre, ça m'a pris 20 minutes. Et il y a juste un labyrinthe. C'est tout ce qu'il y a. Donc là, je vais vous montrer. Enfin, je vous montrer. Je vous disais que si j'avais la VMP, j'aurais pu casser le... Comment ça s'appelle? Ah, le cadenas. J'aurais pu casser le cadenas. Enfin, si j'aurais été sur GameCube, je crois. Parce que ça a été patché sur cette version. Sinon, j'aurais sûrement fait. Quoique, j'aurais peut-être pas fait, vu que... Mais je vous l'aurais au moins montré, quoi. Je vous l'aurais montré, ça c'est sûr. Voilà, donc là, j'ai essayé de tuer les... Enfin, de tirer sur les oiseaux. Nous, on n'essaye pas de les tuer, on essaye de leur tirer dessus. C'est pas pareil. On n'est pas méchants, nous. Bon. Du coup, là, on va dire, je me suis fait surprendre. Hop, putain, je me suis arrêté d'un coup. Je suis dit, oh, calme-toi. Il y a des oiseaux, rappelle-toi quand même. Faut pas les effrayer. Donc, du coup, voilà, je leur tire dessus. Hein. Je les tue pas. Non, c'est pas du tout. Je leur tire dessus, c'est tout. Voilà, donc, du coup, après, comme je vous disais. J'ai mal aux yeux, gros, c'est un truc fou. Donc, comme je vous disais. Voilà, donc pour ici. Il faut Ashley pour pouvoir monter là-haut. Tu vois, c'est un peu en gros une esclave, quoi, si tu préfères. Donc du coup... Ok, d'accord, pourquoi pas. Donc du coup, dès qu'on récupère... Bah, dès qu'on rattrapera... Dès qu'on retrouvera Ashley, et bon, on reviendra ici, nickel, et on prendra un bon magnum. Eh ouais, un magnum. Donc du coup, il nous servira pour plus tard. Donc soit... si vous avez envie de le vendre, vous le vendrez. Ce qui n'a pas forcément d'utilité, mais bon. On sait jamais, si vous avez envie de le vendre, voilà. Vous pouvez le vendre, il n'y a pas de souci. Mais il nous servira plus tard, quoi. En gros, il y a un moment, on aura besoin d'un magnum. Donc, si vous vendez celui-là, bah, vous prendrez le Killer 7. Donc, plus tard, qui coûte 77 000. Bizarrement, je me rappelle de son prix, je sais même pas comment je fais. Mr. Kennedy. Still alive, I see. So, do you like my garden? I see you've managed to work in a little of your twisted taste here, too. Sagacious as I am, even I get lost here sometimes. Even if it takes your whole life, you'll never get out. Do you know that no one dies without a cause? You will satisfy the stomachs of my cute pets. Now, if you'll excuse me, I have to tie up a few loose ends, like chasing down a couple of rats. Two rats? If one's Lewis, who's the other? Huh, they're an intruder besides me? Bon, du coup, donc on part là-bas. En fait, en normal et professionnel, ben, bah, t'es obligé de passer par là. Mais en facile, bah, déjà, tu peux pas. Et puis tu vas directement à la fin du chapitre. Et donc du coup bah ça me fait 20 minutes de gameplay en plus quoi. Et ouais, c'est la merde. Donc voilà. Du coup comment dire, je vous baise. Non je... Ah, il fallait que je la sorte ça. Putain, ils m'ont tellement saoulé à tous dire ça. Bon du coup. Bah du coup j'ai oublié. Voilà, ça vous va ça? J'ai oublié. Oh putain de bordel de merde, je me détends. Pff, oh là, j'en peux plus. Hein. Franchement, c'est chaud quoi. Ah ouais, pas vous imaginer. Ce matin, j'ai mis le réveil à 7h. Bah, je me suis réveillé à 9h. Bon,
On dit ça, on dit rien. Voilà, bah c'est comme d'hab, de toute façon. Mais bon, aussi, il faut dire, je me suis couché à 2h du mat, je crois. Ouais. Enfin, je voulais finir ma série. On va dire que je voulais finir ma série MLP, voilà. Comme ça, au moins, ceux qui connaissent, ils me diront pas « Oh, mais tu regardes ça, gna... je vous baise, ok ?» Voilà, voilà, je vous baise. Au moins, j'ai une excuse de le dire, voilà. Donc là, on pense bien au... Comment ça s'appelle déjà? Ah oui, Spinel. Donc, ouais, oh, franchement, celui qui était dans la cage, là, mais j'ai tellement mis de balles, mais j'ai fait « What ?» Comment c'est possible? Là, j'ai mis 5 balles, celui-là, j'en ai mis... Ouais, non, j'ai halluciné, quoi. Voilà, donc du coup, après, on va là. Donc, on va tout droit. Nanana. Donc là, hop, le méchant, on le tue. Carré, les méchants. Non, c'est pas une bonne raison. Mais bon. Voilà, donc là, en fait, il fallait aller à la droite. Est-ce que je suis allé à la droite? Ouais, je suis allé à la droite. Donc, pour récupérer... Ah oui, non, j'ai encore confondu. C'est tombé. Ok, donc on récupère ça. Donc, je suis tombé là-dessus, du coup. Heureusement. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Que j'avais oublié, voilà. Que du coup, ouais, je suis venu ici, que j'avais oublié, machin. Donc, je me suis bien rappelé. Voilà, donc du coup, je suis revenu en arrière pour aller là-bas. Donc, du coup... pendant le gameplay, je vous avais dit qu'il y avait... c'est un sorte de deuil de lynx, ou je sais pas quoi. Enfin, non, deuil de chat. Enfin, non, non, pas de chat. De... Enfin, bon, le truc qui va sur une truc ronde, là, je sais pas quoi. Enfin, un petit truc jaune, ou qui est aussi vert, je crois. Enfin, un truc comme ça. Enfin, des petits... petite capsule ou je sais pas quoi, enfin bon. Donc je vous avais dit qu'il y avait ça dedans et en fait je me suis trompé, c'est dans c'est avec quand on est avec Ada, donc avec assignement Ada, donc je me suis un peu trompé. Donc là, les chiens qui sont derrière moi, donc bien sûr j'entendais pas, donc je savais pas. Là je me retourne, boum, les chiens. Et là je me dis, ah putain, c'est les chiens de la cage. Du coup je me dis, bah je vais les tuer. Bah en fait non, tu vois, c'était pas du tout les chiens de la cage, donc je me demande d'où ils viennent. Je me suis fait un peu surprendre, en gros, on va dire. Je pensais qu'ils étaient sortis de leur cage. Et en fait, non. Donc, du coup, quand j'ai vu qu'ils étaient là, je fais quoi? Mais, parce que ce délire. Et donc, du coup, j'ai dit merde. Je suis dans la merde, là. C'est-à-dire que, bon, j'ai tué les autres, puis j'ai encore tué ceux-là. Donc, du coup, bah, j'avais plus de grenades. Quoique si. Ouais, si, j'avais encore une grenade, voilà. Mais, malgré tout, ouais, j'aurais pu quand même garder la grenade pour plus tard. Mais bon, c'est pas grave. En gros, les deux autres, j'aurais dû les tuer. Déjà, j'ai été étonné qu'il y en avait que deux. Parce qu'à la base, il y en a trois. Et puis, les deux autres, eh ben, j'aurais pu les garder pour un... Enfin, pour, ouais, pour une mitraillette ou un pistolet, tu vois. Et du coup, utiliser la grenade flamme bah, pour les chiens qui arrivent après, quoi. Bon, je me souvenais plus aussi qu'il y avait autant de chiens après, mais bon. Malgré tout, voilà. Donc là, on va à gauche. Donc là, je pensais qu'il y avait ce que je pense. Et là, quand j'ai vu qu'il y avait des munitions... Ah, je me dis, merde. Bon, dans ce cas, c'est peut-être dans le truc d'Ada, je dois confondre, je sais pas quoi. Enfin bon, voilà. Donc du coup, là, on récupère la dernière partie. Ah ouais, on prend la jaune, c'est vrai. Whit, hop, ça c'est fait. On a encore plus de vie, quoi. Hallucinant. Donc là, on teste au cas où, mais il n'y a rien du tout. On récupère la pierre. Enfin, la pierre. C'est tombé, on s'en fout, hein, franchement. On récupère la partie. Et puis là, j'ai bon, il y en a deux, ok. Et j'en vois deux autres qui arrivent, je fais une merde, j'aurais dû garder la grenade. Voilà. Et donc voilà. Donc du coup, bah, mitraillette, hein, direct. Je les ai défoncés. Ils ont rien compris à ce qui se passait, quoi. Bam, je les ai tous défoncés un par un. Et voilà. Boum, il me restait 3 balles, nickel. C'était nickel. Ah ouais, mais je crois que je peux plus améliorer les balles. Enfin, je sais plus. Bon, on verra bien, hein. De toute façon, hein, je découvre en même temps que vous. Pas vraiment, mais on va dire que si. Ouais, donc je viens ici pour récupérer quelque chose, je crois. C'est bien ce qui me semblait. Donc je lui dis, ah, peut-être que c'est là. Munitions aussi. Ok, bon, bah, c'est dans Ada. Donc là, normalement, il y avait un chien qui venait. Voilà. Donc vu que j'avais pas le son du micro, enfin du micro, du jeu, forcément, voilà, je savais plus trop. Ah, je me suis mis comme une merde. Voilà, donc j'ai trouvé ça un peu abusé quand même, cette attaque. Bon, je me suis dit pourquoi ils ont mis ça au chien, quoi, c'est vraiment dégueulasse. C'est un truc d'enculé, voilà. On dit ça, on dit rien. Voilà, donc du coup, là il n'y a plus de chien, et pas de soucis, hein, vous pouvez
Être libre, libre, c'est déjà bien. Voilà, donc du coup, on va finir le chapitre. Donc ce fut un chapitre très chiant à commenter. Non, en fait, c'est le jeu qui est chiant. Non, non, c'est juste de commenter qui est chiant. Voilà, donc du coup... Putain, depuis tard, je dis du coup parce que j'essaie de retrouver ce que j'allais dire au début, là, du labyrinthe. Avant que je dise, je vous baisse, tu vois. J'essaie de retrouver, mais... je sais même pas si j'allais dire quelque chose au final. Bon, c'est pas très grave. Du coup, on combine, on ouvre. Et puis là, je vous laisse la cinématique. Ah, attends. Ce que je vous l'ai dit dans la vidéo, mais un peu plus tard. Allez, vas-y, ouvre. Putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Voilà, merci. Voilà, donc là, je me mets un petit stop, voilà. Donc, voilà, donc... voilà, nanana. Bon, allez, je vous laisse la cinématique, machin. Put your hands where I can see them. Sorry, but following a lady's lead just isn't my style. Put them up now. Bit of advice, try using knives next time. Works better for close encounters. Leon. Long time no see. Ada. So it is true. True? About what? You, working with Wesker. I see you've been doing your homework. Why, Ada? What's it to you? Why are you here? Why'd you show up like this? Pew. See you around. Ada. Ada. Bon. Voilà. Donc, petite fin de chapitre. Donc là, comme un con, moi, je mets non. Ouais. Bah ouais, bah, je mets non, tu vois. Merde. Ouais. Donc là, je mets non. Ouais, donc je lis vite fait, je vois continuer, donc du coup je mets non, et là, putain, merde, tu sais, ça fait un écran noir, je me dis merde, putain, ils ont quitté ces enculés. Bon, en fait, non, pas du tout, non, c'est pas du tout ça. Donc du coup, je sauvegarde, comme ça au moins, bah après j'aurais pu sauvegarder sur la machine à écrire, mais bon, ouais, ça m'aurait fait chier de sauvegarder sur une machine à écrire plutôt qu'une fin de chapitre, quoi. Voilà, donc du coup, on casse tout ça, enfin on casse... Laisser tomber, voilà, donc on tire sur le spinel pour récupérer. Et là-haut, pouf. Voilà. Après on va casser le truc. On récupère pas ce qu'il y a dedans parce qu'il n'y a rien du tout. Voilà, je me suis fait avoir. Donc là on ouvre... ouais, d'abord on récupère ça effectivement. Après on ouvre le machin, enfin bon. De toute façon on verra ça sur le prochain épisode. Ah, c'est juste pour vous montrer, c'est un sorte de petit trailer comme j'ai dit dans le gameplay. Sauf que... c'est... je sais plus comment j'ai dit, enfin bon. Que en gros c'était juste un trailer sans montage, voilà. Du coup... Welcome. On met optimisé. Oh, putain, il me contredit, hein. Ok, vas-y, va, vends tout ça. Enfin, sauf l'œil bleu, hein, c'est très important à garder. Voilà, donc je vous le répète. Hein. Oui, ben c'est bon, on s'en fout. On s'en fout, gros, on s'en fout. Voilà, donc on vend le miroir orné perles. Voilà, voilà. Voilà, donc du coup, après, on va optimiser, voir ce qu'il y a. Donc, du coup, ben, je me suis dit, tiens, allez, on a du pognon, c'est pas grave, on améliore tout ça. Chut, hop. Après, je suis allé sur TMP, j'ai amélioré, nickel. Donc du coup, après, je suis... ah non, j'ai déjà vendu tout. Ouais, ben non, je suis tombé. Ok, nickel. Du coup... Qu'est-ce que je fais là? Ok. Ah oui. Je suis en train de réfléchir par rapport au lance-roquettes. S'il fallait que je le prenne pour après ou pas. Et je pense que je vais sûrement le prendre, quoi. Je pense que je vais sûrement le prendre pour la prochaine fois. Il faut que je réfléchisse encore. Parce qu'il y a... Déjà, on en récupère un pour après.
Mais le mieux, c'est d'en avoir deux sur soi pour dans pas longtemps. Enfin, dans un moment, mais dans pas non plus très longtemps, quoi. Donc je sais plus, parce que je sais même plus ce qu'il y a après. Je sais plus dans combien de temps c'est en fait qu'on a besoin de deux. Et donc du coup, bah voilà, c'est... Il faut que je réfléchisse, quoi. Ok, mais ça, je m'en fous. J'ai pas le temps pour vos lives, les gars. J'ai déjà pas le temps pour faire des vidéos. Enfin bon. Du coup, une fois qu'on lui a parlé, qu'on a acheté tout ce qu'il fallait, eh ben, on continue. Ah ouais, on continue, on est fou. Enfin bon. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, tout ça. Et malgré ce commentari de merde qui est par-dessus la vidéo, on va dire. Donc en fait, qui est en décalé, quoi. Comment dire? Qui est pas en même temps que le gameplay, donc en gros qui est pas fait à la même heure que le gameplay. Voilà, donc là je suis un peu le con. Donc à la base là je suis plus en train de parler, mais bon je parle quand même, voilà, je suis un fou, tu vois. Voilà, donc là je suis un peu con avec mes graines, tout ça. Donc du coup, bah j'espère que ça vous aura plu, malgré ce commentari qui n'est pas en temps réel, voilà. Donc du coup, moi, je vous dis ciao. Puis bye. Ciao tout le monde, à une prochaine vidéo. Ciao!